Reçois la faveur de Dieu. Je suis en train de voir dans le monde spirituel. Je vois une femme. Je vois un nom comme Maï ou bien Maïmouna. Mais je vois, calmez-vous d'abord. Je vois que cette femme a eu un problème avec le père de ses enfants, donc comme avec son mari. Et je vois que c'est comme s'il y a eu une séparation. Et je vois dans le monde spirituel que depuis lors, cette femme ne se retrouve pas. Il y a des chiens qu'on a envoyés t'attaquer. Le Saint-Esprit veut te libérer et rétablir ton foyer. Là où est cette femme qu'elle vient devant ici? Can I prophesy? Prophesy, madam. Vous avez bien écouté ma prophétie. J'ai dit, c'est une femme qui était avec un homme et ils se sont séparés. Donc, si vous n'avez pas été avec un homme et vous n'êtes pas séparés, repartez vous asseoir, même si vous appelez Maï. Voilà, et quelle prophétie au soma? Pour yura ya Maï bien mamuna, zina ne la wati, ou elle taba, yamana ka, kekar, kamuri ama, yura nam soi. Qui a 33 ans parmi vous? C'est toi? Oh. Parle dans le micro. Bon micro pour hein? C'est moi. Tu as combien d'ans? Tu as combien d'ans? 33 ans. Quel est ton nom? Maïmouna. Est-ce que tu étais avec un homme et vous vous êtes séparés? Oui. Vous avez eu des enfants ensemble? Oui. Avance ici. Toutes celles qui sont derrière, qui s'appellent Maïmouna, lever les mains. Par la situation d'un Dieu va résoudre le problème de tous. Vous qui êtes derrière, levez les mains comme ça. Recevez la résolution de votre situation. Allez-y vous asseoir, le Seigneur parle en votre faveur. Madame, regarde-moi ici. Madame, qu'est-ce qu'il m'a? Où est ton mari actuellement? Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Pourquoi il t'a quitté? Il est en Côte d'Ivoire. Il a dit que son papa, il a fatigué. Son maman, il a fatigué. Mais... Maman aussi ne sait pas. Ne baba ne ma. Toi baba ne ma coule mais. Yen sera aussi ne sait pas. Ton passé est à Kasaki. Le passé n'a pas voulu donner son silence. Obzanga hami est une mamwa. Et il a refusé dire qu'il faut que je vienne. Bien ton ouantawa. Arrivé. Obkai gomgom kangwa ma parle gomgom na ton départ. Gom kangye. Ils n'ont plus parlé de ce sujet là. C'était au temps du coronavirus. On est venu sans nos effets qui sont restés à Côte d'Ivoire. On a été ici 3 jours après avant que, sans voir nos effets. Je suis parti laisser mon mari ici pour chercher les bagages. Il n'y a pas eu de... La querelle. Lui aussi, il est resté chercher les bagages enfin il est venu à la maison. 3 jours après, on a dit que les bagages sont venus. Quand il est venu chercher nos bagages, il est revenu au village. Cette même nuit qui m'a appelé vers 20h, pendant que je dormais. La il m'a dit qu'il arrivait. Et Dieu a dit dans son rêve de la répudier.
J'ai dit, si c'est ainsi, il faut informer au diacre et pasteur, parce que lui-même, son père est pasteur. Personne m'a soutenu. Et les pasteurs ont fait de leur mieux en vain, qui disaient que le pasteur devrait dire à son fils, cela ne se fait pas ici. Si j'allais chez mon père à domicile, l'appeler en justice, le pasteur même a dit que le mariage n'est pas fondé selon la volonté de Dieu. Alors qu'à cause de la foi, mes parents m'avaient abandonné. Personne ne m'a soif, dans la situation. Sois forte, le Dieu qui a révélé ta situation va la résoudre aujourd'hui. C'est à quelle fois de venir ici? C'est depuis la veille que tu as commencé à venir ici. Mais... quand je venais ici, j'avais des ballonnements, des enflures au pied. La winam komam la fi. Et Dieu m'a guéri de ces deux mots. La zeme semaine yiboto mamwa kane wayele. Depuis deux semaines, comme je suis venu prier ici. Ndasi nkotam ye winam datun kuleme le branti gem kama. Prier à Dieu de pouvoir retourner rendre visite à mes enfants. La mkotam ti nyama la lutoram karma poa. J'ai pris ta compagnie et sois le mettre dans le foyer. La mam taire mam zaka so singa mam bolo. Arrivé à la maison, mon mari a commencé à m'appeler. La yele mam ti ni wu mam ti biete mam wa village na wazin na wa mam wa village. Et qu'il a appris que je suis venu au village dans la cour de son père. La esse mam na ton resina met mam pa na le bon wo kien wara. Est-ce que je pourrais vivre rester là-bas? C'est pas mieux de retourner à Ouara? Je lui ai dit, bien vrai, je suis venu au village, mais c'est juste rendre visite à mes enfants. Écoute-moi. Tu as adressé une parole. Compte avec moi. Un. Dernier mot. Deux. Irou. Trois. Zaro. Et c'est trois mois. Dans les tuyaux. Tu vas rejoindre ton mari. Voilà le mot d'ordre. Là, les bras, les mains, silence après. Oui. Jésus. Laura, comme Dieu a parlé. Rate. Je vois, alors que je prophétise ici, l'ange de l'Éternel est en train d'aller chez ton mari. Je vois l'ange le trouver. Je vois l'ange qui est en train de le toucher maintenant. Quand tu vas quitter d'ici dans la semaine, il va t'appeler. L'ange est en train de le saisir. C'est un complot de la sorcellerie. Il y a une autre femme qu'ils avaient préparée en complicité avec le pasteur. Et ils lui ont dit que toi, le pasteur a dit à ton mari que toi tu es une sorcière. Oui. C'est ce qu'il a dit à ton mari. Oui. Que tu es une sorcière. Oui. Et que lui dormait dans son rêve, tu es venu l'attaquer. Oui. C'est le début de notre problème. Écoute-moi. Oui. Si Dieu me dit que tu n'es pas une sorcière. Oui, il ne faut pas soigner. Alléluia. La profondeur. Avance, Daddy, avance. Écoute-moi. Quel en est-il? Je suis en train de parler au nom de l'Éternel des armées. L'ange va commencer à nettoyer ton nom. Même le pasteur qui t'a accusé, s'il ne se répand pas, la main de Dieu va lui donner une correction. Je déclare au nom de Jésus. Ça a déjà commencé. 1, 2, 3. La main de Dieu commence à toucher ton mari. Il revient. Reçois la main de Dieu.
Jesus. Regarde-moi ici. Dieu t'avait donné un don d'intercession. Tu avais même commencé à prophétiser. Tu parlais en langue et puis tu prophétisais. Tu as été totalement découragé. Dans ta propre famille, on t'a maudit à cause de la foi. Mais le Seigneur va commencer à te rétablir. Je vois ton mari venir te demander pardon. Tu vas donner un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Viens. C'est fini. Acclamons fortement pour Jésus.